on the fact that nothing else published. And I think it's important that you respect the government. When you get, you know where that road goes like this to 4 miles, you have to look because there was cars coming behind you. You need to look. Right. I don't want you to mess up the car. Car hit you, mess up the car, and then what? Mais le pire ici, tu sais quoi? C'est que tempête, il neige, il pleut, tu cours. Ah, le coach ici, c'est quoi? Ils sont fous complets. Des fois, il pleut, tu vois même pas devant toi. Tu cours. My philosophy is to make sure that they understand that they're grown men, that they are responsible for their actions, responsible for what they do and don't do. I treat them like men because I want them to feel like they're in control of their own career. But that does not stop me from making sure that I am in charge here. They may be men, but they still need to be led and they still need to be taught. So my philosophy is I am the boss. And I am the coach and you are the pupil and you will follow instructions. If you want me to train you, you will follow my instructions. I think life is choice. Yes, that's what I was doing. What do you want to do? You want to work for 3 or 4 years and then not work ever again? Or do you want to work every day? Every day. I'm sure he knows people that work every day and go to work and hate going to work. Everybody can talk, but everybody cannot do it. And then when you get there, they say, oh, how lucky you are. Yeah. Okay. Andy Reid showed us that this weekend. No work, no win. C'est dans la souffrance qu'on grandit, c'est dans la souffrance qu'on gagne ce qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on aurait gagné un jour. Et je pense que c'est les sacrifices, le travail et la souffrance qu'on se donne les moyens, tu vois, de réussir. Tu vois ça là, regarde. Ça tu trouveras nulle part. Ça c'est le miel de chez moi, de pur. Là où je suis né, j'ai grandi. En fait, mon grand-père, il avait 100 ruches. C'est le truc d'abeilles. Et tu vois, père, son âme, il est décédé. Maintenant, c'est mon oncle qui a repris. Et là, il m'envoie tout le temps du pays. Directement, je le reçois. Et une préparation, des fois, je mange pour 4-5 kilos, tu vois, de miel. C'est pour ça, hier, je te disais, l'ours, ça, c'est le vrai. Il n'y a pas de sucre ajouté ou quoi que ce soit, tu vois, c'est du pur, pur. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Il faut être là parce que je pense que les gens, ils voient la télé, ils voient les entraînements, ils voient la course. Ils voyaient les coups, mais ils ne voyaient pas les sacrifices qu'on fait. Tu vois, l'éloignement. J'ai passé 5 mois ici, loin de ma famille, loin de tous ces gens. Tu vois, tu passes ta vie, des mariages. Tu vois, mes cousines, mes 3 cousines sont mariées. J'ai pas pu être à leur mariage. Tu vois, je pleurais dans les chambres. Tu vois, tu sais plus, c'est toi, c'est pas toi. T'es un robot, t'es un humain. Tu te dis, c'est pas possible. Comment je vais tenir ici pendant des 2 mois? Mais c'est la victoire en fait. Je pense que c'est la victoire qui te fait tenir ici. Quand tu gagnes, tu oublies tout ça. Franchement, la souffrance, tu l'oublies après la victoire. One of the most important mottos has always been for me, not only in the gym and in boxing, but in construction and in how I've led my life. One of my favorite songs is a song by John Lennon called Imagine. So I printed that up on the computer and then I wrote in a black marker underneath, what if, with an exclamation point.
My point being, imagine what if you ran a little bit harder, you worked a little bit harder, you didn't slack off, you did all the things that are necessary so that you don't have to look in the mirror and say, you know, I should have done that instead of saying, I've done all I could. Je me demande pas combien je travaille. Je travaille jusqu'à dernier souffle, comme je dis, tu vois, coach. S'il te plaît, laisse-moi partir d'ici mort. Il me dit, mais t'as demain, t'as après-demain, c'est pas grave, demain je vais mourir encore plus. Mon grand-père, il m'a toujours dit. Il m'a dit, tu vas te reposer quand on va t'enterrer, je te jure. Elle est dure le mot, tu vois, mais c'est la vérité. Tant que t'es vivant, il m'a dit, vis pleinement. Tout ce que tu fais, fais-le pleinement, tu vois. Et je pense que c'est ça le sucre du fruit, en fait. C'est ce que tu fais, en fait, ce que tu gagnes à la fin.